On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Gagner un tout, tout reprogrammé. Gagner un temps, un monde sans danger. Gagner un tout, tout reprogrammé. Gagner un temps, un monde sans danger. Si jamais la méduse réussit à entraîner Aelita dans la tour de passage, on n'aura plus qu'à dire adieu au territoire des montagnes. Et après ça, terminé. Bye bye, Lyoko. Ouais, ça va, on est au courant, Einstein. Voilà le travail. Mais si je sers plus à rien, faut le dire. Et 12 bestioles au tableau de chasse, qui dit mieux? Moi, j'en ai 10. Et toi, Yumi? Bah, score moyen, 15. Et toi, Odd? Combien t'en as envoyé rejoindre le paradis cette semaine? 2. Quoi? C'est tout? C'est pas terrible, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, tu le sais bien. Eh oh, mais regardez-vous, vous avez tous des super pouvoirs. Télékinésie, triplicata, super sprint, pouvoir de création. Et moi, j'ai rien. Le seul super bidule que j'avais, les flashs de prémonition, Jérémy me l'a effacé en faisant une mise à jour du super calculateur. Et il me l'a pas réinstallé, paraît que ça servait à rien. Alors maintenant, vous me lâchez avec vos super scores de super dopé. En plus, il paraît qu'il reprend tous ses vieux tubes pendant le concert. Hey, j'ai trouvé un site où il y a des solutions pour passer au quatrième niveau. Et la Hunter, et ça y est. Je rêve où il fait la tranche. Oh, c'est pas vrai, ça c'est un complot, tout le monde est contre moi. Hé, hey, arrête. Odd, je suis avec toi, mon vieux. Et pour te remonter le moral, je t'ai mijoté un petit quelque chose. Mijoté? C'est façon de parler, j'espère, parce qu'en cuisine, t'es oh, nul. T'inquiète, je t'ai concocté un super pouvoir rien que pour toi. La téléportation. Wow, t'es le meilleur dans mes bras, Einstein. Si j'étais une fille, je te demanderais tout de suite en mariage. Alors, ce pouvoir te permet de te déplacer instantanément sur des courtes distances. Wow, cool! Et comment ça marche? Très simple. D'abord, tu te représentes mentalement l'endroit où tu veux aller. Je sais pas, moi, la grosse montagne là-bas, ça irait? C'est comme tu veux. Ensuite, pour activer le programme, il te suffit de dire téléportation. Bon, ok. Téléportation! Oh, wow! Oh, non, pas si génial que ça. Wow, là, il y a comme un bug. Allez, go, je réessaye. Non, attends. Non, non, arrête. Oh, téléportation. Oh. Coucou, la miss. Bah, quoi, t'es pas contente de me voir? Si,
bien sûr, mais un seul exemplaire me suffisait. Là, regarde. Oh. Et... là-bas. Oh. Bah... Jérémy, pour le mariage, oublie, j'ai plus envie. Eh, pas de panique, c'est rien, juste un petit bug. Je vous rematérialise. Qu'est-ce que t'as? Je vous ai bien eu, hein? Oh, c'est pas vrai. Débile à ce point, il y en a vraiment que... Tu nous as bien eu, c'est ça? Hé, comment t'as deviné? Bah quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le bon côté des choses, vous avez trois super potes pour le prix d'un. C'est mortel, non? C'est le mot, oui. Trois fois plus de vannes foireuses. Oui, et surtout trois fois trop de Delarobia au collège. Je suggère que deux des hôtes se planquent ici pour ne pas éveiller les soupçons et le dernier continuera la journée acadique comme si de rien n'était. Bonne idée. Moi, je vais rester ici pour trouver une solution au problème, d'accord? Non, pas d'accord. Il est midi, on a faim et en plus, aujourd'hui, c'est couscous boulette. Et si on se planquait dans ma chambre et qu'on allait au réfectoire à tour de rôle? Ouais, bonne idée, t'es trop fort. Ah, merci les gars. Bon, allez, je suis proms, d'accord? Ah non, c'est moi, j'ai trop la dalle. Ouais, bah pas question, moi je meurs carrément de faim. Bon, stop, je vais vous départager. Pique-nique douille, c'est toi l'andouille. Ah ouais, cool! Salut monsieur, alors on a la patate? Info, merci Delarobia. Mais attention petit, pas trop de familiarité tout de même, hein. Salut monsieur, alors on a la patate? Info, merci Delarobia. Mais attention, un petit pas trop de... Hein? Salut monsieur, alors on a la patate? Non, en fait, je sais plus, je crois que je vais aller m'allonger un instant. Oh. Oh. Bonjour. Oh Rosa, vous savez que vous êtes splendide aujourd'hui. Dites entre nous, vous n'avez jamais songé à défiler pour des grands couturiers? Ça va, te fatigue pas, Odd. Voilà du rat. Mais épargne-moi tes salades. Ben quoi, je me dépêche, je vais pas faire attendre mes deux meilleurs amis. T'exagères, Odd, t'as déjà eu plus que ta part de boulettes. Alors voilà, un peu de rap de smoule et puis basta. Allez, boost. Je t'ai déjà dit basta, si tous les élèves étaient aussi goinfres que toi, il y a longtemps que la cantine aurait fait faillite. Bah ça! Je vous rappelle qu'on a sport dans 5 minutes. Alors grouillez-vous. D'accord, alors qui s'y colle? Oh, pas moi les gars, désolé, mais le sport l'estomac plein, c'est pas conseillé. T'as demandé tellement de rap que nous, on n'a rien eu. Ouais, c'est vrai ça, sale égoïste. Moi qui me suis forcée à avaler ma semoule en 4e vitesse, ah bah merci, si c'est comme ça, je me tire, allez, ciao! Ah ouais? Bah moi je vais me faire un cinoche. Pour une fois que j'ai des doubles, je peux sécher tranquille. Ah ça non! Pas question! Moi j'ai rien mangé, alors je vais au fast-food et toi tu tapes le cours. Tu veux rire là? Eh, c'est mon fric ça! Ah non, c'est mon fric! C'est ça ouais! Va-t'en et empoisonne-toi avec ton burger! Delarobia, c'est curieux, aujourd'hui vous semblez être partout, sauf en cours de gym. Alors un conseil, un seul mon bonhomme. Vous allez tout de suite faire demi-tour pour aller de l'avant, sinon il faudra pas compter sur moi pour assurer vos arrières. Contrairement à ce que certains petits malins pourraient croire,
Le lancer du disque n'a rien à voir avec le fait de jeter un CD qu'on ne veut plus écouter. Non, il s'agit d'une discipline olympique, fort ancienne, nécessitant souplesse, coordination musculaire et surtout, un disque. Oh non, l'horreur! Bonjour monsieur, dites, vous avez quoi comme programme de cinéma pas cher? Pas cher, et bah vous avez programme à 2 balles qui fait 2,50. Et vous n'avez rien à 75? Non, rien. Waouh, paraplégique zombie 4, séance à 14h30, génial! Hé, petit gars, faut payer pour lire. J'espère que c'est important, Jérémy. Ça l'est. J'ai trouvé comment contrer le bug du programme de téléportation. Il faut que les 3 toits entrent chacun dans un scanner pour qu'ils refusionnent en un seul au cours de la virtualisation. Pour une fois, c'est simple. Pas besoin de dico pour comprendre. Bah non, c'est pas si simple. Il y a un gros souci. Alors qu'il est, vos corps sont instables. Vous risquez à tout moment de disparaître purement et simplement. Tu piges? Je pige que c'est l'horreur. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que toi et tes 2 copies vous appliquiez dardard au labo. Et attention, si un seul d'entre vous manque, la fusion est impossible. Ok, t'inquiète pas, je vais les retrouver. Le montage en série diffère du montage en parallèle, en ceci que lorsqu'un seul composant, une ampoule dans notre cas, vient à manquer, c'est tout le circuit qui est interrompu. Démonstration. Bien, passons à la pratique, car le poids des mots n'est rien sans le choc d'une bonne démonstration. Ah bah voyons, il manquait plus que ça. Ouais, ok, Jérémy, je suis sur le coup. Bien. Alors, vous pliez la jambe d'appui jusqu'à atteindre le point d'équilibre parfait entre souplesse, poids et légèreté. Puis vous tendez le bras du lancer et vous vous retrouvez dans la célèbre position disco-ball. Hey, monsieur Morales, vous avez vu ce drôle de machin juste derrière vous? Bichon, vous croyez qu'on en fume un vieux renard comme moi aussi facilement? Ah, c'est pas le disco-ball, c'est le disco-gogol. Y a-tu Xana dans l'air? Allez, venez, on file à l'usine. Odd, il faut qu'on le sorte de là. Je parie que t'as une paire d'ailes sur toi. Le plus efficace, ça serait d'aller désactiver la tour, non? Si on reste là, on va tous finir en statue. La sortie nord est encore en zone non-fumeur. Je préviens Jérémy pour Odd. J'écoute, Ulrich. Hein? Pétrifié? Où ça? Oh non, c'est la catastrophe. Oui, Jérémy? Répète! Manquez plus que ça. Surtout que mon autre moi n'est plus dans la chambre. Tu dois à tout prix le retrouver et aller ensuite récupérer celui qui joue les statues au collège. Et dépêche-toi, sinon tu pourras plus jamais redevenir un. T'en as de bonne, toi. Je sais pas où il est parti. Bah, débrouille-toi. Tu le connais, non? Qu'est-ce que tu ferais à sa place? Bah, moi, je me ferais un sinoche ou un presto burger. Eh bah voilà, il te reste plus qu'à essayer les 2. C'est parti. Jérémy, on est là. Bien, parfait. Allez, je lance la virtualisation. Transfert Aelita, transfert Yumi, transfert Ulrich. Scanner Aelita, scanner Yumi, scanner Ulrich. Cinéma ou Presto Burger? Cinéma ou Presto Burger? Cinéma ou Presto Burger? Oh, encore toi? Viens un peu par là que je t'explique ma façon de penser. Oh, quoi encore moi? Je suis déjà passé par ici? Ah ouais? Et si c'est pour lire un programme à 2 balles sans me l'acheter que t'es revenu, bah alors là tu vas le regretter. Un programme à 2 balles? Comme celui-là? Ouais, et ce coup-ci t'as intérêt à me le payer et tu m'auras pas 2 fois de suite. Paraplégique zombie 4, 14h30 au Majestic. Hé, reviens ici, crétin d'ado acnéique. Virtualisation. C'est bon, la tour activée est là-bas. Ah,
je suis désolée, mais c'est notre peau qui est en jeu. Pareil que la fumée nuit gravement à la santé. Bon, faut pas traîner, où il est le troisième homme? De l'autre côté du bâtiment des sciences, d'après Jérémy. Alors le mieux, c'est de prendre de la hauteur. Impossible de passer, on est coincé là. Attends. À quoi de jouer? Super sprint! Si en plus de nous canarder, maintenant ils se mettent à nous écraser, moi je dis, c'est plus du jeu. Désolée. Bah, comme quoi c'est utile d'avoir la tête dure. Maintenant, Aelita, ça se joue entre vous deux. Je sais, oui. Et en plus, il est coriace. Jérémy, la famille de la Robia est enfin réunie. Parfait. Transfert haute.
Odd. Transfert Odd. Scanner Odd. Scanner Odd. Scanner Odd. Virtualisation. Alors, Odd. Bah, ça, je le sais. Pousse-toi, Elita! Laisse faire le spécialiste! Flèche laser! Go! Retour vers le passé. J'ai enfin compris ce qui clochait dans le pouvoir de téléportation. Et si tu veux, je te le reprogramme. Et garantis sans bug cette fois. Bah, non merci. Quoi, t'es sûr? Et certain. Vous avez vu mes derniers exploits? Je suis le meilleur, c'est clair. Une vraie bête de combat. Je peux me passer de super pouvoir, moi. C'est vrai que t'es super balèze et t'es drôle aussi, et surtout d'une modestie à toute épreuve. Eh oui, c'est vrai, c'est tout moi, ça. En un mot, je suis du genre... Oh, du genre unique.